Les médecins les plus compétents peuvent établir un diagnostic rien qu'au teint du patient, pas les médecins ordinaires. Nous ne voulons pas être obligés de choisir une seule des deux médecines. Plus les médecins sont âgés, meilleurs ils sont. Les jeunes diplômés ne comprennent pas tout. Les plus vieux ont beaucoup plus d'expérience. En Chine, on a un dicton, d'année en année, le malade devient médecin. À force de tomber malade, on finit par bien connaître ses maladies. Les Chinois sont d'un naturel doux. Ils sont partisans du principe du milieu. La médecine occidentale combat le mal par le mal, alors que la médecine chinoise soigne en douceur. Comme je me fâche peu, je tombe rarement malade. C'est le seul système médical qui ait une aussi longue histoire, plus de 2000 ans, et qui soit resté fidèle à la plupart de ses théories initiales. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on a affaire à un système monolithique qui n'a jamais évolué. Ça signifie qu'un certain nombre de théories de base, ce qui constitue l'épistémologie d'une discipline, eh bien, ont suivi un fil conducteur sans qu'il y ait de rupture nette comme celle qu'on a pu connaître dans d'autres systèmes médicaux, notamment dans la médecine occidentale. La Chine est à peu près le seul grand pays qui ait deux médecines officielles. La médecine que nous connaissons en Occident et la médecine traditionnelle chinoise. Quel âge a ce ginseng ? 5 ans. Plus il est âgé, plus sa maturité donc est grande, plus il est efficace. Le ginseng peut traiter aussi bien l'insomnie que l'hypersomnie. Il permet aussi bien de récupérer après l'effort que d'apporter disons, de l'énergie pendant l'effort, etc. On va dire que ces différents agents chimiques interviennent en fonction des besoins de l'organisme. Et c'est ce qui en fait une plante très précieuse. Ça, c'est un ingrédient qui est d'odeur assez désagréable. Hein. C'est de la sangsue. Il y a un certain nombre de principes actifs qui permettent de conserver le sang fluide. On se sert donc de cet ingrédient pour casser les amas de sang et pour mobiliser très fortement le sang. Le scorpion sert essentiellement à calmer le vent interne et il est utilisé donc dans beaucoup de troubles neurologiques. On s'en sert par exemple dans des troubles de type tétanique. C'est un ingrédient qui est toxique, ce qui signifie qu'on ne peut pas en utiliser une grande quantité, il faut le mesurer avec précision. Chaque ingrédient a des propriétés particulières. Et donc on peut utiliser tel ingrédient parce qu'il est laxatif ou tel autre, parce qu'il est tonique, etc. Ça correspond à un usage assez simple et populaire. D'autre part, il y a l'usage qui est fait dans la médecine savante, dans laquelle l'ingrédient n'est pas l'entité thérapeutique à proprement parler. L'entité thérapeutique, c'est la formule. Ça signifie que, par exemple, un ingrédient A peut avoir 5 ou 6 actions. Un ingrédient B va avoir 5 ou 6 actions, mais peut-être que la combinaison des deux va donner une action qui n'a rien à voir ni avec A ni avec B. Le nom de l'ingrédient signifie graine qui a 5 saveurs. Et les saveurs jouent un rôle très important dans la pharmacopée chinoise. Alors qu'en Occident, on s'intéresse davantage aux principes actifs, la médecine chinoise s'intéresse à l'expression de l'ingrédient. Mais l'expression telle qu'elle est pressentie par l'homme, non pas par un laboratoire. Je me sens faible. Que pouvez-vous me conseiller ?
Vous voulez mettre combien? Quel prix voulez-vous mettre? Je veux un remède efficace. Le plus efficace, c'est le plus cher. C'est quoi comme médicament? Bonjour, où trouve-t-on de la racine d'astragale? Au deuxième étage, section ouest. Je transpire la nuit depuis près de 20 ans. Depuis quand? Presque 20 ans. C'est bien pour vous, n'est-ce pas? Oui. Quel âge a-t-elle? 70 ans. Vous voulez qu'on prenne ses pouls? C'est possible? Il y a un médecin en face. Inscrivez-vous. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens faible. Je manque de force et j'ai des problèmes de foie. Vous avez une douleur au foie? C'est plutôt des sensations désagréables, de temps en temps. Tirez la langue. Vous avez la bouche sèche? La vieille dame est asthmatique. Elle peut quand même prendre ça? Bien sûr. Elle a eu une fracture? Non, juste une petite entorse. Mais avec son asthme, ça ne pose pas de problème? Aucun problème. Avez-vous des remèdes chinois pour les troubles cardiaques des personnes d'âge moyen ou avancé? Au comptoir en face. Là-bas, juste là. Trois boîtes de médicaments pour la fièvre, le sirop. Que donne mon pouls? Vous avez ce qu'on appelle une répression du qi du foie. Une répression du foie? Une répression du foie et un vide de sang. Tirez la langue. Vous allez souvent à la selle? Oui, assez souvent. C'est ni trop dur, ni trop mou, mais c'est plus foncé qu'avant. En médecine chinoise, l'observation, l'audition-olfaction, l'interrogatoire et la palpation sont les quatre étapes essentielles à la base des huit principes de classification qui permettent d'élaborer un diagnostic. Merci pour vos soins. Je suis très pessimiste sur l'état de ma santé. J'ai l'impression d'avoir une maladie rare. C'est grave? On peut me faire des analyses complètes? Vous allez suivre un traitement pendant une semaine. Si ça ne s'améliore pas, on fera une radio. La médecine chinoise est fondée sur la théorie du yin-yang, elle-même à la base de la théorie des cinq mouvements. L'alternance et l'opposition du yin-yang conduisent à un équilibre dynamique. Et quand l'équilibre est perturbé, on tombe malade. Vous me prescrivez des décoctions ? Mon sang circule mal, n'est-ce pas? Pas très bien, en effet. Merci. Il est indonésien. Ce monsieur va traduire. Il a eu un Chongfeng, mais maintenant ça va? Il s'agit d'un accident vasculaire ou d'une paralysie d'origine nerveuse? Plutôt d'un accident vasculaire.
après Saint-Lan. Au troisième étage. J'en prends 10. Entendu. Tenez, bon retour. Ça existe en petite boîte ? Tirez la langue. Il va bien à la selle ? Il y va tous les jours. Il n'a jamais eu ce problème-là, ni à l'épaule. Il a fait des examens ? Non. Ça n'a rien à voir avec le Chongfeng. C'est plutôt lié au cholestérol. Il y a des remèdes pour ça ? Oui. Le médecin traditionnel chinois fait un double diagnostic. Un diagnostic de maladie, par exemple, asthme ou diabète, et un diagnostic de syndrome. Le diagnostic de syndrome doit toujours être explicite en termes d'énergétique chinoise, si on peut dire. C'est-à-dire que il va, par exemple, exprimer un déséquilibre yin-yang, un déséquilibre du qi, du sang, des liquides organiques, un déséquilibre viscéral. On parlera, par exemple, d'un syndrome tel que le vide de qi du poumon. Si, par exemple, le syndrome est vide de qi du poumon, le principe thérapeutique sera tonifier le qi du poumon. À chaque principe thérapeutique correspondent une ou plusieurs formules de pharmacopée, un certain nombre de combinaisons de points d'acupuncture. J'ai des douleurs lombaires. En posant les doigts sur le poignet, j'ai des informations sur tous les organes, le cœur, le foie, les reins, le poumon, la rate, selon que le pouls est accéléré, ralenti, fort, faible, vaste, grand, fin, glissant. Toutes ces nuances me permettent de situer les organes malades. On peut distinguer si la maladie est vide ou plénitude, à l'extérieur ou à l'intérieur, yin ou yang, au niveau du qi ou du sang. Et dès qu'on connaît l'origine de la maladie, on peut prescrire les médicaments adéquats. Sur le plan topographique, l'index correspond à la partie la plus élevée du corps, du sommet de la tête jusqu'au bas du thorax, incluant les membres supérieurs. Le majeur correspond principalement à la zone abdominale et l'annulaire au bas du tronc et aux membres inférieurs. Mais il ne s'agit pas seulement d'une correspondance topographique, mais également d'une relation avec le système des viscères et des méridiens. L'index, par exemple sur le poignet gauche que nous avons ici, est en relation avec l'organe cœur, le majeur avec le foie, et pour chacun d'entre eux également avec la correspondance d'un méridien. Merci, au revoir. Votre film est sorti en salle ? Pas encore. Il a des plaques sur le visage. On lui a prescrit un remède occidental. Il le prend depuis un mois, c'est ça ? Oui. Ses lèvres se sont desséchées. Ça l'a effrayé. Je lui ai dit d'arrêter le traitement. Vous avez pris quoi ? Du Wang Jiu. La médecine chinoise traite le patient dans sa globalité. Si vous avez la paupière rouge et gonflée, en Occident, on diagnostique une inflammation, on met de la pommade dessus et c'est tout. En médecine chinoise, on traite le foie qui est en relation avec la pathologie. Quand on clarifie la chaleur du foie, le symptôme disparaît. On peut donc soigner une partie du corps en agissant sur d'autres endroits du corps. Vous êtes aussi dans l'agence de Chao Wan ? J'ai signé pour 5 ans. Beaucoup de réalisateurs apprécient son travail. Si on parle du foie, ça signifie l'activité fonctionnelle du foie qui ne sera pas exactement superposable à celle que nous avons en Occident. Au-delà de ses fonctions,
Ça va être un certain nombre de correspondances. Par exemple, des correspondances dans les organes des sens, pour le foie, ce sont les yeux. Des correspondances dans les liquides corporels. Des correspondances dans les émotions. Par exemple, pour le foie, c'est la colère. Tirez la langue. Avez-vous la bouche sèche? Je vais vous prescrire des plantes en décoction. Il ne mange que de la viande, pas de légumes. Ça peut entraîner de graves problèmes. La viande de mouton me donne des éruptions. Le bœuf, le mouton et les piments peuvent être trop échauffants. Je dois manger moins de bœuf aussi? Oui. Il commence le tournage dans un mois. Les médicaments en décoction sont plus efficaces. Je vous prescris aussi des remèdes tout prêts, mais privilégiez les décoctions. Vous pouvez les prendre? Il faut juste les préparer. Vous les préparez vous-même. La médecine chinoise est une médecine naturelle, contrairement aux autres types de thérapies. Elle utilise certaines particularités des plantes ou même des légumes de consommation courante, d'animaux et de minéraux qui nourrissent l'organisme, rééquilibrent le corps et permettent de retrouver une bonne santé générale. C'est ma femme. Je ressens une chaleur interne très forte et j'ai la bouche et le nez gonflés. J'ai toujours baigné dans la médecine traditionnelle chinoise. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, mon oncle et mon frère aîné étaient ou sont tous médecins. Certains sont connus en Chine. J'ai commencé très jeune à lire les ouvrages classiques et à étudier les théories fondamentales, à apprendre les formules comme des chansons. Je peux encore réciter certains textes. J'ai lu votre annonce dans le journal. Je voulais comparer l'efficacité avec d'autres médicaments. Revenez dans quelques jours. Vous n'en avez plus? On va en recevoir. Repassez dans quelques jours. Très bien. Celui-là. Il faut en acheter trois pour en avoir un gratuit. J'en achèterai plus une autre fois. Alors, pas de quatrième gratuit. Un truc est sorti d'un porc. Et en grattant, le poil est venu avec. Il faut compter 5 ans d'études universitaires, puis 5 ans de recherche. La médecine chinoise est une discipline qui fait intervenir à la fois la pratique et l'expérience. C'est une science extrêmement complexe qui ne se comprend pas seulement avec la connaissance matérielle du corps. Il faut commencer jeune, car même après 10 années d'études, on doit d'abord être l'assistant d'un professeur pour acquérir de l'expérience. Où se trouve le gingembre et la jujube? La jujube est ici. Un patient a pris un coup de froid. Il est légèrement, il a un début de syndrome grippal, par exemple. Et il a la particularité
d'avoir un pouls qui va être superficiel et légèrement relâché, et d'autre part, il a une transpiration spontanée. Alors, dans la logique de la médecine chinoise, s'il transpire, normalement, l'énergie pathogène doit s'évacuer. Or, il continue à transpirer, mais l'énergie pathogène ne s'évacue pas. Pourquoi ? Alors, on considère dans la médecine chinoise que une partie de son énergie interne est déséquilibrée et insuffisamment forte pour que la transpiration entraîne avec elle l'agent pathogène. Que peut-on faire dans une telle situation ? Si on donne un ingrédient comme celui-ci, Mahuang, bien sûr, il va faire transpirer encore plus. L'agent pathogène va peut-être sortir, mais l'énergie du patient qui est déjà affaibli va encore plus diminuer. Donc, on va utiliser une combinaison de deux ingrédients. Cet ingrédient, Kuai Chi, va produire la transpiration. Celui-ci va retenir une partie de l'énergie saine et des liquides pour les empêcher de sortir. De cette façon, l'agent pathogène va être repoussé sans pour autant laisser sortir complètement l'énergie saine par la transpiration. On a ici le cœur de notre formule. On peut ajouter deux ingrédients. Le gingembre est sudorifique, il est piquant, et donc il produit la transpiration, alors que la jujube est un tonique du qi, c'est un ingrédient qui est doux, et donc qui consolide au contraire et concentre l'énergie vers l'intérieur du corps. Ils vont donc assister en tant que combinaison, la première combinaison que nous avons déjà vue. Et tout ça devient déjà assez complexe. Alors pour harmoniser l'ensemble, il faut un modérateur. La racine de réglisse grillée au miel, sa saveur douce, lui permet, dans beaucoup de formules, d'équilibrer l'action des autres ingrédients. À l'intérieur d'une casserole, ajoutez de l'eau froide, laissez les ingrédients s'imprégner, se détendre dans l'eau, puis porter ensemble à l'ébullition, le faire légèrement réduire, et après avoir éliminé donc les plantes, boire la décoction. ...408, 407, 406, 410, vos médicaments. Quelquefois, une formule a été mise au point par un auteur, à une époque ancienne, pour répondre à un syndrome particulier, finalement assez simple. Et au cours du temps, elle a été explorée de mille et mille façons, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle sert à traiter un très grand nombre de maladies qui n'ont quelquefois rien à voir avec la raison pour laquelle elle a été mise au point initialement. Vous avez une insuffisance du qi et du yin. Quand je prends des médicaments, vous ressentez de la chaleur en les prenant? Pas vraiment. D'accord. Il y a beaucoup à dire, mais le plus important, c'est l'équilibre. La santé dépend de l'équilibre psychologique, physique et des relations entre l'homme et la nature. C'est cet état d'équilibre qui apporte santé et longévité. La circulation et les sécrétions doivent se produire librement, sans entrave. Enfin, la relation entre l'homme et la société doit être harmonieuse. Ce sont des vrais. Pas comme ceux en boîte. Ce sont d'authentiques remèdes. Les autres sont des mélanges. Je reconnais ce qui est naturel. Ils sont très concentrés. Ailleurs, ils ne sont pas aussi purs. Combien coûtent ces calculs vésiculaires de buffle? 280 yuan par gramme. 280, ce sont des vrais. Tu as de l'argent? Oui. C'est pas assez. C'est bon, j'en ai. Ne sortez pas tout.
Ça va faire des miettes. Je veux juste celui-ci. Il pèse combien ? Je vais vous le dire. Dans la médecine chinoise, on considère que l'être humain est d'abord l'expression de trois aspects. Le premier aspect, qu'on appelle Jing, c'est l'essence, la trame de vie sur laquelle s'imprime en réalité tout le développement de l'individu. Si on regarde par exemple un gland, évidemment on ne trouve pas en l'observant la forme de l'arbre. Et néanmoins, on peut déjà dire comment vont être les feuilles de cet arbre. On peut par exemple savoir que ça ne pourra pas donner des feuilles de marronnier, même si on l'arrose, même si d'une certaine façon, même si on met tel ou tel type d'engrais, on ne pourra pas agir sur l'essence même qui se trouve contenue dans cette semence. Qi, c'est l'ensemble des énergies et des souffles qui mettent en mouvement les activités, les métabolismes, les transformations dans l'être humain. Ça désigne d'une part l'énergie qui circule à travers le système des méridiens, ça désigne l'énergie qui est en corrélation avec le sang, ça désigne également l'ensemble de l'activité métabolique, des viscères, etc. Le Qi, ça signifie également les souffles qui existent dans l'univers, ça dépasse très largement le cadre de la médecine. C'est sans doute un des termes les plus universels dans la pensée, dans la philosophie chinoise. Troisième aspect, Shen, désigne la conscience organisatrice. Ce qu'on entend au niveau médical par le terme Shen, c'est une conscience qui à la fois organise, gère l'ensemble de l'activité fonctionnelle, à la façon d'un empereur dans un empire, dans un état, et qui permet une permanente adaptation à l'ensemble des facteurs environnants. Ces trois aspects constituent ce qu'on appelle les trois trésors dans la pensée médicale chinoise. Ce sont des exercices très courants. Ça, c'est ce qu'on appelle les trois noix. Elles stimulent les trois méridiens yin et les trois yang de la main. Ici, on a le point Laogong, relié aux trois yin et aux trois yang, ainsi qu'aux cinq organes. Au cœur, à la vésicule biliaire et au gros intestin. Vous arrivez à dormir combien de temps ? Une heure ? Une demi-heure ? Une à deux heures. Vos selles sont sèches ? Normal. Et l'appétit ? Ça va. Sauf que parfois, j'ai l'impression que ça passe de travers parce que je suis contrariée. Qu'est-ce qui vous fâche ? La famille ? Le travail ?
tout. Votre sang circule mal. Vous avez des vertiges, les oreilles qui bourdonnent? Parfois. Des douleurs lombaires? Oui. Parfois, je n'arrive pas à me lever. Tirez la langue. Le pouffin, les douleurs lombaires, les vertiges et les bourdonnements sont liés à un problème de vide des reins. Le vide de qi provient d'une faiblesse des fonctions de transport et de transformation de la rate. La stagnation de qi du foie se transforme en chaleur qui s'élève. La chaleur suit le trajet du méridien du foie. Quand les reins ou la rate sont en état de vide, cela entraîne des répercussions sur le foie, d'où l'insomnie et l'eczéma. C'est votre problème de rein qui a déclenché une élévation de la chaleur du foie. Pour le moment, les médicaments ne servent pas à grand-chose. Il faut d'abord éclaircir le foie. C'est difficile pour l'esprit occidental d'admettre l'existence de trajets qui ne sont pas strictement anatomiques. Il semble que le système méridien soit effectivement lié à une représentation particulière de l'être humain. Il n'est peut-être pas exactement conforme à l'image ou à la représentation qu'on en donne. Il a plus un caractère d'utilité dans la pensée médicale chinoise que de réalité objective. Le médecin traditionnel chinois n'est pas aussi attaché que son homologue occidental à la notion de réalité matérielle des choses. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un type de réseau, une organisation de l'être humain qui permette d'agir sur telle ou telle fonction. L'acupuncture fait partie intégrante de la médecine chinoise. Elle repose sur le même système. L'acupuncture régule la circulation du qi et du sang à l'aide d'aiguilles. Elle permet de rétablir l'équilibre du yin-yang. Les médicaments doivent être digérés pour agir. Puis, elles pénètrent dans le corps. Et l'effet est très rapide. La prise de médicaments et l'acupuncture se complètent. L'acupuncture et la moxibustion agissent de l'extérieur, tandis que les médicaments agissent de l'intérieur. Vous ressentez quelque chose? Oui. Ça sert à disperser la chaleur du foie. On va insérer une aiguille dans un point stratégique du corps. Reposez-vous 20 minutes. Évidemment, il y a tout un travail de raisonnement pour arriver à savoir sur quel point, au singulier ou au pluriel, il faut agir. Il ne s'agit pas simplement de trouver le point, il faut encore agir spécialement sur l'énergie qui va se trouver accumulée ou qui va circuler à travers ce point, et éventuellement à travers le système méridien auquel ce point appartient. On a donc des techniques de manipulation de l'aiguille particulière qui vont permettre d'accrocher le qi, de le saisir, de le sidérer en quelque sorte, puis ensuite des techniques qui vont permettre de l'envoyer vers tel ou tel endroit, ou de lui apporter telle ou telle action. Par exemple, une action dispersante, tonifiante, une action de transformation, ou au contraire une action pour concentrer sur un point particulier. C'est la jambe gauche ou la droite? Plutôt celle-ci. Le vide des reins entraîne le vide de la vessie, qui favorise la pénétration du vent humidité dans son méridien au niveau du dos, provoquant la douleur du dos jusqu'aux jambes. L'homme de bronze est une référence incontournable, mais on a appris à localiser les points précisément, avec des professeurs qui guidaient nos mains, ce qu'un livre ne peut pas faire. On enseigne ces techniques de génération en génération. Allongez-vous, n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal.
Vous aurez l'impression d'être enflé. Ça y est. Vous avez eu mal ? C'est comme lorsqu'on est enflé, non ? Vous sentez la distension ? Non. Et maintenant ? Ah oui, ça enfle. Encore un. Ça y est, c'est fini. Reposez-vous un quart d'heure. Il faut amener le chi à l'endroit du point. Différentes techniques peuvent être utilisées. Pression, vibration, percussion, massage, frottement ou griffure. Tout cela pour que le chi vienne à la rencontre de l'aiguille. La technique d'insertion en elle-même est importante. Il faut passer rapidement la barrière de la peau pour aller chercher le chi. Puis, manipuler par des rotations ou des mouvements de pousser-tirer jusqu'à ce que le chi soit saisi. Il existe des techniques complexes, au nom poétique, le tigre blanc hoche la tête, ou des techniques quelquefois très rapides, comme l'envol du phénix. C'est bon. Levez-vous doucement. Doucement. Le rhumatisme ou l'arthrite sont difficiles à traiter par la prise de médicaments. On peut seulement soulager provisoirement les douleurs. En insérant des aiguilles sur toute la surface, on soigne le corps dans sa globalité. L'acupuncture traite ces pathologies. Vous avez encore mal au bras ? Il est encore un peu raide. Et là, ça va mieux ? Oui, il est moins lourd. Je vous donne 10 comprimés Yangshu Tongjin à prendre matin et après-midi pendant 5 jours. Patientez, j'ai déjà quelqu'un. Je crois que j'ai une sciatique. Depuis quand ? Depuis 2 jours. Ça fait mal. Bougez les jambes. C'est mieux, non ? Oui. Allongez-vous. Je vais vous faire de la moxibustion sur la zone lombaire. S'il y a douleur, c'est que cela ne circule pas. La moxibustion est efficace pour disperser le froid. Si le pouls est faible, la personne souffre d'un vide de qi et de sang. Dans ce cas, la moxibustion peut lui convenir. S'il est rapide, c'est qu'elle a trop de chaleur et la moxibustion est contre-indiquée. Le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse, la canicule sont des climats, sont 6 climats naturels, mais lorsqu'ils deviennent excessifs, lorsqu'ils n'apparaissent pas à la bonne période de l'année, donc lorsqu'ils sont décalés, ou encore lorsqu'un organisme est particulièrement affaibli ou fragilisé par rapport à l'un d'entre eux, ils deviennent des causes de maladie. D'énergie naturelle, ils deviennent des énergies pathogènes. Et puis progressivement, par analogie, on a rattaché à ces notions de causes climatiques, des causes qui n'ont plus rien à voir avec le climat, mais qui ressemblent sur le plan des symptômes à ce qui pourrait se produire sous l'influence de tel ou tel climat. Ainsi, il arrivera qu'on appelle, par exemple, qu'on parle d'une maladie due au vent-chaleur, sans que le patient n'ait été exposé ni au vent ni à la chaleur. C'est chaud ? Oui. Vous sentez que ça descend dans la jambe ? Il faut que la chaleur descende. Vous êtes de Pékin ? Oui. Ça commence à brûler.
Quand ça rougit un peu, c'est bon. Bougez les jambes. Je me sens vraiment bien. Ça marche? Bien sûr que ça marche, vous n'êtes pas un cobaye. C'est là que vous avez mal? Encore plus haut. Ce sont des douleurs lombaires. Courbez le dos et laissez-moi faire. Vous avez entendu le craquement? Laissez la tête. Bien. J'ai très mal quand je lève le bras. Il est engourdi? Non. C'est le bras. Détendez-vous. Ne soyez pas tendu. C'est un mode d'apprentissage populaire. D'ailleurs, on dit Lan Zhong, médecin populaire. Le savoir se transmet oralement de maître à disciple. C'est bien une tradition populaire, car dans la mentalité d'autrefois, les études servaient à passer les examens impériaux pour devenir fonctionnaire. Les vertèbres sont réajustées. Elles exerçaient une pression sur les nerfs. C'est pour ça que vous aviez mal au bras gauche. C'est pour les lombes ? En Chine, on pratique l'orthopédie en palpant avec la main pour déterminer s'il s'agit d'une dislocation, d'une fracture ou d'une atteinte des tissus mous. C'est notre outil, notre rayon X. Là, c'est ma tante. Ici, c'est moi, dans les années 70. Ce patient était paralysé à cause d'une fracture des vertèbres cervicales. Il a pu marcher au bout de 6 mois de traitement. Ma tante tient son savoir de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire de sa grand-mère à elle. On transmet ses connaissances de génération en génération. J'appartiens à la 6e génération, lui à la 7e. Les os n'ont rien, peut-être est-ce musculaire? Vos articulations sont déformées. La colonne vertébrale est courbée en arrière. C'est la 3e lombaire. Baissez la tête et courbez-vous. Laissez-moi faire. Tournez. Baissez la tête. Bien, baissez la tête. Tournez. Le fils apprend de son père qui lui-même avait appris de son propre père. Ça se fait avec beaucoup de sérieux. On apprend très bien comme ça. Comme le père a son fils pour élève, il ne lui cache rien, il lui fait part de tout ce qu'il sait. C'est ça la tradition chinoise. On va procéder à des étirements. Ah,
Expirez. C'est pour détendre les muscles et réduire les inflammations. On met le menton en avant, puis on le rentre. C'est ce qu'il faut faire quand on a les vertèbres cervicales fatiguées. Ouvre la bouche. Tu es bien sage. Elle grince des dents ? De temps en temps, quand ses gencives la démangent. À table, elle boit ? Des soupes ou de la bouillie ? Pas d'eau ? Non. Numéro 23. On ne peut pas nier l'existence d'un certain danger de voir l'essence de la médecine chinoise progressivement se dégrader, voire disparaître. Il y a plusieurs raisons à cela. Bien entendu, cette modernité galopante qui a introduit, bien entendu, la médecine occidentale en Chine, ce qui est sans doute un point très positif, mais qui crée un déséquilibre. Car la médecine chinoise n'est pas soutenue de la même façon par l'industrie pharmaceutique, par les instances internationales, etc. Ce qui fait qu'elle se replie de plus en plus sur elle-même et elle tente désespérément et souvent assez maladroitement pour pouvoir recueillir l'approbation du monde scientifique international avec de nombreuses contorsions intellectuelles de s'ajuster sur le mode de pensée de la science moderne. Ce qui très souvent la conduit, d'une part, à ne pas réussir, parce que ses modalités et sa construction intellectuelle sont tout à fait différentes, et puis d'autre part, elle perd dans cette démarche une grande partie de ce qui fait sa substantifique moelle et surtout ce qui fait sa différence. Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai un lumbago depuis 2 mois. Thank you.
grave.